Salutations, la rediffusion. Et j'ai oublié de changer le titre comme une merde. Je sais pas moi. Une maison volante, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas d'idée là. Je vais faire ma partie au public pour voir un peu les sous-merdes qu'il y a sur le jeu. Tac, hop. Du coup, je me retrouve attaché à un poteau. Parce qu'il y a un cheater qui est venu et il a dû avoir la haine. Elle a vu la construction, elle a fait ah ouais, moi je suis une grosse merde, donc j'ai installé le shit, le jeu vient d'être lancé et tout, il y a même pas un mois, mais je shit parce que je suis une merde, et comme j'ai la haine de cette construction bien faite, je vais lancer des bombes, sauf que bah je suis pas un noob, espèce de sous-merde, donc bah vu qu'il pouvait pas détruire, bah il m'a tué. Ah là là, ah, les noobs hein. Les noobs, les noobs. Maintenant, je vais aller jeter un œil, voir si il y a des trous du cul qui se sont dit, vas-y, je vais enlever. Ah bah, il y a déjà plus d'arbres ici, mais il y avait des arbres. Ah non, je suis pas apparu. Ah ok, je suis à un autre endroit. Je connais pas ici. Ah c'est là. Ah j'ai deux spots de. Ok. Ah c'est le thé là. Le thé, c'est un cheater. Ça va, ils ont l'air de s'amuser. Et range ton couteau pour pas paraître. Ok, on va voir que j'ai pas ramassé mon stuff. Mais de toute façon, je vais charger la partie. Je suis pas con. Non, je voulais juste foutre la haine à quelques cheaters. C'est toujours plaisir de foutre la haine à quelques cheaters. Regarde, regarde, t'as vu, regarde, les mecs sont dégoûtés, c'est ce qu'ils font. Ils enlèvent le toit. Regarde les bouffons. Ils sont en train d'enlever le pont et tout là. Regarde les tâches. Ouais. Voilà l'image qu'ils veulent donner de la communauté Son of the Forest. Voilà. Regardez les tâches, les mecs sont jaloux, donc ils viennent, ils enlèvent les trucs et tout. Ils ont cru quoi, que j'étais une sous-merde? Moi, je suis pas con, moi. J'ai sauvegardé, j'ai mis la destruction en off, j'ai fait tout ce qu'il fallait, moi. Bande de nazes, quoi. Bande de nazes. Bon, on finit de regarder les rageux. Il va falloir continuer cette baraque là, je vais essayer de la faire voler. Si j'ai bien compris la mécanique hier, ça devrait le faire. Non, le bot il est sous l'eau, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il est là. Viens ici du con. Oh, déjà? Il a son ordre. J'ai découvert un truc assez cool.
Avec la pelle, on peut creuser un peu n'importe où dans le sol et du coup, on peut déterrer des pièces, on peut déterrer des os, on peut déterrer des crânes, on peut déterrer des montres. Franchement, c'est génial. Ah ouais, mais attends. Moi, je veux le corps. Ouais, mais je veux le corps. Non, mais il est con, ce jeu, ou quoi? Ah, tu me le brûles sur place et tout? Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Brûler celui-là aussi, hein, au passage. Ouais, ça m'évitera de le faire. Putain. Non? Je le lance dessus. Vas-y, donne du poisson, hein. Attends, faut commencer tout de suite avec celle-là. Elle aura le temps de se faire entendre. Aïe. Ah oui, j'ai oublié, t'es en décalé, toi. Tiens. Attrape. Mais... Il a pas brûlé l'autre? Putain, avec la neige, on voit pas. Je veux un crâne. Voilà, j'ai un crâne. Pas brûler l'autre. Ah si, donc ça marche. Il est où l'autre là? Viens ici toi. Je m'en fous de l'os. Il brûle là. Hein. Pas. Oh, c'est bon, ça me saoule. Ah si, il a brûlé là. On va savoir. Bah, toi, je te brûle à l'ancienne. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas allumer le rocher. Ah si, tu peux allumer ça. Tiens, toi. Hein, quoi? Mais niquer ta mère, toi. Lui, qu'est-ce qu'il fout là? Il m'a fait niquer deux balles, ce con. Du coup, juste je pose des lampes et je vais essayer de m'occuper de ma plateforme sur le lac. Là. Parce que comme j'étais crâne. Ah ouais, là c'est. Hein? Quoi? Ouah, non mais attends. Pardon, pousse-toi. Du coup, il faut lampe. Ok, donc à partir de là, là. Putain, j'en ai marre. J'ai rien à poser une lampe en haut là. Putain. Prends pas de dommages. Tiens dans ta gueule. Vas-y, ça va me faire chier le jeu, hein. Hein, ça va me faire chier, tu vas sauter sur le poteau. À vous. Sinon, je le coupe en 3. Je m'en bats les couilles. Voilà, c'est un 3 quarts maintenant. Il va me faire chier. Tac, 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 les lampes. Il bouge pas, hein?
Voilà, parfait, pousse-toi, attention. Merde. Oh, j'en ai qu'une pour l'instant. Je compte pas faire de crâne, je veux faire la maison. Je vais essayer de la faire voler. Il a froid, ça me saoule. Hop, mets ça bien là. Bon, objectif là. J'ai des bâtons là. Ouais, parfait. Attends, pour l'instant, je vais te mettre en raccourci là. Ok. Ensuite, je prends ça, je le mets dans l'intérieur. Oh putain, bonne chance. Donc hier, la plateforme là-bas, elle s'est mise à voler quand j'ai tout pété. Alors, on va voir. Si je peux le faire moi en fait. Le débit, pourquoi c'est de la merde? Tu peux pas me faire un petit cut Twitch, c'est bon? Tout va bien? Ok. Faut que j'aille vérifier moi-même sur mon live que t'as pas fait un écran noir aussi, peut-être. Ok, c'est bon. Je vais pas faire ça toutes les 5 minutes hein, Twitch, je te préviens. Demande à une night game à quel point je peux m'énerver et salir une réputation pour la blanchir derrière, parce qu'en final j'aime bien une night game. Là techniquement je peux enlever les poteaux qui sont au-dessus, faut enlever dans l'ordre, c'est mieux parce que le jeu après va dire ouais ça tient pas, donc enlève dans l'ordre, fais pas de la merde. Tu peux bon, de toute façon regarde, c'est simple, ce poteau là, c'est ça là. Ça peut reposer sur un des quatre. Donc je peux enlever celui-là, tu vas pas paniquer. Ok. Là ça tient, logique, parce qu'il y a la poutre, un treillis, tout ça, qui renforce. Ok. Et là j'enlève ça, parce que c'est trop. Voilà. Et là je peux enlever le petit. Comme ça tu m'emmerdes pas. Voilà. Et puis là j'enlève ça, parce que c'est toujours renforcé. Hein. Les deux poutres en treillis, là, elles tiennent bien les deux poutres qui sont au-dessus. Hein. Donc le jeu il comprend ça lui. C'est ça qui comprend. Et là, du coup, bah, je peux enlever tout ce qui fait tenir la maison. Donc, t'es pas obligé de venir d'éclater le poteau parce que t'es vénère de tout péter pour faire tenir la baraque, quoi. Ok. Et ça, je pouvais pas le tester hier parce qu'en fin de live, déjà, le cerveau était complètement brûlé. Il y avait de la fumée qui sortait. Et du coup, le lac était pas gelé, donc c'était compliqué. Mais du coup, ok. Bon, bah le titre n'est pas mensonger, hein, c'est pas un titre clic à pute, hein, c'est bien une maison qui vole. Voilà. J'étais tellement confiant
sur ma mécanique que j'ai découvert hier, je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça, une maison volante, parce que je suis sûr que ça va être le cas. Et bon, là, si tu mets des poutres, je suppose ici, ici, bah, y a déjà tout le reste. Je peux peut-être enlever le bas, tu vois. Ah non, il faut un poteau. Ah non, il aurait fallu que je mette les poteaux ici et ici pour enlever le bas, sans que ça fasse tout péter, c'est ça? Et je mets une poutre en haut, comme ça j'enlève vraiment ça là, les trois petites merdes là, et puis comme ça la plateforme elle est vraiment assez haute pour pas être emmerdée par n'importe quel connard quoi. Et ça, c'est à tester, tu vois, à savoir si le jeu il veut bien. Déjà, je vais faire une save, parce que ma maison volante, moi comme ça, elle me plaît très bien. Bah, c'est con parce que je voulais faire une maison sur un poteau et ici je voulais faire la maison volante. C'est pas grave, hein, je vais devoir en faire deux. Hein. Tant pis. Oh, ça, je vais en avoir besoin après. Ah, ouais. Ah, mais sauvegarde de perdre tous mes trucs si je charge. C'est pas cool, non? On va éviter. John McClane de ramener des bûches. Et de les dupliquer, parce que je fais les deux. On va déjà les planter là, parce que j'en aurai besoin après. Bah ouais, tiens, préparer pour la duplication, c'est une bonne idée ça. Très très bonne idée ça. La meilleure idée du monde. Hop. Non, je voulais mettre au milieu, c'est pas grave. Et ouais, je me disais, on peut mettre comme ça. Et genre, est-ce que je peux faire. Ah oui, c'est vrai, il y a le raccourci. Avec mon stick, je peux faire ce côté et l'autre, non? Ah, dommage. Ça aurait été cool. Et puis ça, bon, ça. Si je vais les garder, on sait jamais. Maman, ça va me saouler. Et puis hier j'ai fait le pont et tout ça, c'est ça que les mecs étaient en train de démonter au début du live. Parce que oui, je me suis dit, vas-y, on va tester quand même. On va ouvrir au public, voir ce que les gens y font, voir leurs réactions. Bah, il y en a qui sont arrivés, ils ont tourné dans la maison, ils ont visité un peu partout, tout ça. Et après, quatrième joueur qui arrive, c'est un cheater. Il va vers la maison, tout ça, direct, il fait un peu le tour vite fait, après il sort des bombes. Là j'entends pa 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 pa. Mais tu m'as pris pour un trou du cul ou ça se passe comment? T'es vraiment débile comme mec. La destruction en désactivé, tu fais rien. Hein. Donc jaloux, jaloux, il va vers l'hosteur de la partie, il le voit au loin, il fonce sur lui et il le tue. Fou, hein, j'étais pas devant le PC, on va prendre les couilles. Du coup, quand je reviens, début de live, je vois les mecs, ils sont là-haut, là, et puis ils jettent des planches. Les mecs jaloux, ils commencent à démonter. J'aurais bien aimé, en fait, les laisser pendant une heure et demie tout démonter, tu vois, puis après, je charge la partie. Je la relance en public, et je leur montre, voilà. Vous êtes des noobs, je suis un pro, vous cassez-vous, vous êtes des merdes. Changez de jeu. N'importe quoi, les mecs. Ah, les tâches, quoi. Ils ont vraiment cru que une construction comme ça, j'allais la laisser construction activée et tout. C'est des baisers. C'est des baisers. Bon, bah, j'ai sauvegardé, donc on va tester cette mécanique de. J'ai vraiment envie d'enlever le petit étage en dessous. Il me gêne beaucoup. Je suis en train de me dire, la maison sur le poteau, faudrait la faire plus haute dès le départ. Mais le problème, c'est que ouais, pour faire ce genre de truc, t'es obligé d'avoir un départ de 4 en fait. Je pense pas que ça passe sur un départ de 4 par 4, donc de un bordel. C'est un monstre. Ça va pas tenir si je fais ça, genre. Ça peut pas tenir en fait. Parce que la fondation de là, elle tient sur trois poutres. Et c'est le maximum. Je peux pas enlever le poteau. Donc, bah, c'est 4. C'est pareil, en fait.
Ouais, c'est 4 aussi, mais en comptant la poutre là. Mais je peux pas enlever cette poutre. Celle-là, oui, mais celle-là, non. Et je peux pas enlever ce poteau. Sinon, ça tombe. Pour que ça vole, là, il aurait fallu que je fasse une base de 2 par 2. Et ça aurait pu tenir. Ou peut-être de 3 par 3. Il faut tester. Peut-être 3 par 3, ça peut tenir. Mais après, ça fait un départ en chiffre impair. Après, on s'en bat les couilles en vrai. Parce que du coup, la plateforme au-dessus sera en chiffre pair et tu fais ta toiture. Et puis. Mais dès que tu fais un étage en impair, le problème, c'est la toiture. Pour faire une toiture en impair, il faut faire la pointe soi-même en rajoutant un quart de bûche tout naze sur une bûche posée à plat. Enfin, c'est très chiant. Donc là, l'objectif, ce serait de mettre une poutre là. Fous de ma gueule. En mettre une là. Faudrait savoir, je dois sauter ou je dois pas sauter. Ok. Et là, il me faut la moitié. Il faut que je renforce tous les poteaux. Parce que une fois que c'est renforcé, je peux l'enlever, ça. Je crois que j'avais fait le test hier vite fait, mais là je veux faire un test réel, nickel, avec une plateforme nickel, qui a pas subi de dommages. Si là j'en mets une. Et que là j'en mets une. Là j'en mets une, il faut enlever ça dans un certain ordre en plus, c'est ça? Parce que c'est un peu l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de trucs à enlever. D'abord je renforce, ensuite je mets des poteaux en dessous pour pouvoir enlever les merdes comme ça. Vas-y. T'as tout fait sans sauter, fais sans sauter. Alors là, déjà, imaginons que ça, tout comme lui, en vrai, je peux les enlever. Forte chance. Ouais, imaginons que là, je mets le poteau. Il veut pas. Déjà, ça commence mal. Ça veut dire qu'une fois que c'est comme ça, tu peux pas modifier le truc. Parce qu'il veut pas mettre de poteau. Même en regardant le poteau. D'accord, pas de souce. Faut que j'ai sauvegardé. Bah, monsieur, il peut partir. Vas-y, le milieu, ça peut sauter en premier, direct. Sûr. Des poutres du bac, je pourrais pas enlever. Après, peut-être une fois que le bordel il vole, tu peux faire n'importe quoi et ça vole. Ah, tu vois, celle-là, je peux pas l'enlever. Même avec les poutres qui sont mis comme ça, je peux pas l'enlever. Ah, donc cette partie-là, je pourrais pas l'enlever, quoi. Faut arriver à faire une base sur 3 par 3, ça pourrait peut-être tenir. Mais bon, ça c'est avec le temps, hein. Je vais expérimenter, je vais apprendre, et puis s'il la corrige pas, cette mécanique, elle évoluera en fin de compte. Mais ouais, du coup, on peut pas enlever, si je peux pas enlever le poteau là-bas. Il y a des trucs que je pourrais pas enlever, quoi. Ah ouais, ça je peux pas l'enlever. Après, si j'enlève tout ce que je peux enlever, est-ce que ça tombe juste le bas? Ah,
Ouais. Ah, elle, je peux pas l'enlever. Bon, c'est pas logique, il y en a que je peux. Attends, je veux savoir pourquoi je peux enlever cela et pas cela, par exemple. Ouais. Voilà, il y en a trois que je peux pas enlever là. Pourquoi? Et pourquoi ces deux-là collés? Pourquoi lui tout seul? Et est-ce que si je tape la bûche là, est-ce que tout se casse la gueule ou pas? Normalement, oui, je pense. Parce que ce poteau, il tient les trucs du dessus. Ce poteau, il tient les trucs là. Si c'est pas moi qui les enlève, le jeu va tout péter. Mais bon, vu que je vais charger la partie, let's go. Là pour faire des tests, hein. C'est comme ça que j'ai découvert des trucs sur The Forest. Si tu fais pas de tests, tu sais pas. D'accord, ça commence mal. Je trouve quoi. Mais ça me saoule, je suis trop court. Katana, il est pas plus long. Allez, vas-y, tu es presque. Oh putain de merde. Aïe, 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 ma tête. Ok. Oh bah c'est bien ce que je pensais. J'avais raison, les poteaux ils tenaient là, là, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, hein. Allez hop, petit chargement là. Ah, je savais, j'ai compris comment fonctionne la mécanique, j'ai compris, c'est bon. Ce qui signifie que faire ça sur 3, c'est peut-être possible, mais sur 4, c'est pas possible, j'en suis sûr. Sur 3, je sais pas, j'ai un doute. Sur 2, bah on voit que c'est 100% faisable. Et sur 4, c'est impossible. Donc tu peux pas faire directement une grande plateforme volante, tu vas être obligé de passer par une phase intermédiaire ou une petite phase pour pouvoir agrandir. Et tu pourras jamais du coup enlever le bas. Et ça, c'est triste. Mais le bas pourra te servir de sous-sol en fait. Tu fais des stockages, tu mets des merdes, je sais pas, tu mets des étagères. Ou alors tu t'en sers pas, tu coffres et tu t'en sers pas. Bon bah cool. C'est parti du coup. On va essayer de faire l'étage du dessus. L'objectif c'est faire l'étage du dessus. Du coup c'est quel étage? Ça va être chaussée, premier, deuxième étage. De la maison volante. Construction du deuxième étage de la maison volante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Hey, je suis en train de faire un truc là. Tiens, viens ici, viens de taper les pièges, voir si ça fonctionne. Ouais, le titre est changé. Tac. Hop, hop. Alors, vous tapez pas les pièges, bah, c'est de la merde. Mais merci de dupliquer les bûches, hein, c'est gentil. J'en ai besoin là, tout de suite maintenant. On va sortir un katana pour vous calmer. Allez, casse-toi. Hé. Je vais te défoncer. Je serai plus à l'abri là-haut. Ah, c'est vachement mieux de tuer les bébés au katana. Plutôt qu'à la hache. Ok, du coup. Oh, je peux pas repartir de là. Oh, comment je vais faire pour avoir mon alignement? Il aurait pas fallu que j'enlève le poteau tout de suite en fait. Oh, ta mère, mais ta mère! Tu vois pas que je suis occupé là? Temps de réfléchir, connard. Oh, et comment là, genre, je peux pas partir de là, quoi. Tu te fous de ma gueule. C'est parce qu'il n'y a pas de poteau. Oh, c'est la merde.
puis bah, pour retrouver exactement le même alignement, bah, ça, tu te doutes bien que c'est impossible. Faut que je recharge avant d'enlever le poteau alors. Faut pas que j'enlève le poteau. En fait, faut d'abord tu fais la maison, poteau, tout, machin. Et une fois qu'elle est finie, 100% finie, là, t'enlèves le poteau. Oh, oh c'est l'enfer pour faire une plateforme volante. C'était quoi, c'était cette partie avant que j'enlève le poteau. Putain, c'est horrible. Ah, c'était tellement facile de faire une plateforme volante avant. Ah, c'est devenu ultra hardcore.